verre d'or pour la liste. Merci beaucoup. Voilà, je travaille sur un court-métrage, c'est de 25 minutes, donc on ne fait pas vos mauvaises, hein, ça va passer très vite, comme une bonne livre. Alors, moi je voulais juste présenter un petit peu le projet, vous dire un peu d'où ça vient. Il y a des gens qui me connaissent un peu dans la salle, il y a ceux qui m'ont connu l'enfant, il y a ceux qui m'ont connu l'adulte. Mais s'il y en a qui m'ont connu l'adolescent, il y en a, oui, ils m'ont vu l'adolescent, mais ils m'ont connu l'adolescent. Non, ils m'ont pas connu l'adolescent, parce que quand on est adolescent, on comprend rien. Même l'adolescent, quand il se mate dans le miroir, il voit que le miroir. Donc c'est marrant. L'adolescent, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y avait un grand marécage, là, qui s'appelle puberté. Et le mec, il est là, et il est hyper emmerdé, il fait un moment vers Jai, voilà, Jai, et il finit par sauter. Et tous les mecs sautent avec lui, il y a ceux qui passent tranquilles, il y a ceux qui galèrent, et il y a ceux qui restent coincés au milieu, comme des cons, genre moi. Et alors, quelques années plus tard, après avoir être sorti du marécage, il y a toujours une fille, un moment, qui va voir même, qui arrive pleine de goût, elle fait « Ouais, il y avait un autre marécage, là-bas, moi, je suis sorti récemment. » Donc elle vous tend la main, on sort, elle dit « Viens, on va prendre une douche ensemble, et c'est bien, et on avance dans la vie. » Et quelques années plus tard, je croise ce monsieur qui a fait une école de cinéma avec moi, et on dit, faisons une comédie, de quoi on va parler? Et puis on avance, on cherche, on trouve pas, c'est galère, et puis un jour on se retourne et on voit le putain de mariage avec ce mec au milieu, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fout ce mec au milieu? Il a l'air de galérer, il est drôle ce con. Faisons un film sur ce mec qui galère avec sa puberté. Alors la Bible, c'est une variation sur ce thème, et finalement c'est une forme de réconciliation entre moi, qui je suis aujourd'hui, et l'adolescent qui est coincé dans le marécage, qui est sorti depuis évidemment. C'est également une façon pour moi de régler les complexes et de leur régler leur compte avec une bonne comédie qui dit « Quand même, t'as l'air con dans ce marécage. Rigole au moins, c'est pas grave en fait, c'est pas grave la puberté. » Donc ce film c'est ça, c'est s'affranchir de ces vieux démons. Et donc je vous le présente ce soir, et évidemment là j'ai l'impression que j'ai un discours philosophique. Il y aura aussi des coups de bite, il ne faut pas vous inquiéter, vous êtes bien à la bif, hein. Donc il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Les comédiens sont en partie dans la salle, ils étaient aussi avant. J'ai remercié avant, mais du fond du cœur, parce qu'il fallait un peu des couilles, il fallait aussi un peu d'envie pour aller défendre ces personnages. Je remercie l'équipe technique, même si pareil, elle est pareille en train de nous faire à mon avis. Ah non, voilà, il y en a encore qui sont là. Merci, vous avez poussé le projet vers le haut, je vous aime. Merci, je laisse la parole à ce monsieur, sans qui ce film n'existerait pas, qui a réussi à dire, mais si, il faut une bite énorme, mais si, ça va être mortel. Et vous allez voir, c'est grâce à ce monsieur aussi que ce soir, je peux vous présenter ce film. Merci à moi. Je vais être très court, puisque tout a été dit, Valentin Touscourt est finalement de très bas, et remerciements ont été faits. Je voulais renouveler à Jean-Baptiste Lajoie, qui a été la mienne, de produire ce film, voilà. Toutes les étapes, ça a été douloureux, mais on a mis l'exigence et de la sincérité, et j'espère que vous en verrez, c'est une comédie. Et parfois, c'est très difficile à réaliser pour réussir à faire rire les gens. C'est une très grande joie de vous proposer un film qui vous fera rire, on l'espère. C'est la première projection publique du film à Paris. Il était sélectionné à la semaine de la critique cette année. Voilà, j'espère qu'il vous apportera autant de joie que nous on en a eu à le faire et le porter jusqu'à vous. Voilà, bonne projection, et puis rendez-vous au deuxième étage pour un verre à boire après, et discuter un peu plus longuement du film s'il vous a plu. A tout à l'heure. Yes! Hey, combien de fois on t'a expliqué qu'on aime bien ta petite tête, d'accord? Et si tu te pointes sur le tournage, tu vas le regretter toute ta vie. Toute ta vie. Mais moi, il me biffe quand tu veux, j'adore ça. Toi, ça se voit que t'as jamais pris une bite sur la gueule, sinon tu dirais pas ça. T'as déjà pris une bite, toi, dans la gueule? Non, toi, t'as pas pris de... T'as pas eu de biffe. Vous avez rien compris, les mecs. Hein. La pénétration, c'est fini. Le sexe tradit, le clito, tout ça, c'est dead. Mmh. Les zones érogènes ont bougé. Maintenant, ça se passe là, dans la nuque, dans les joues. Fini les mecs qui te font ça pendant des heures, là, n'importe comment. Une bifle de ticonque, c'est l'orgasme en un seul coup de bite, et ça, ça vous fait chier. Se faire bifler, c'est un vrai métier, ma petite. D'accord? Faut une hygiène d'enfer. D'enfer. Ticonque, c'est du lourd. En one shot, il va te déglinguer. Une seule... Il va te tordre le cou. Il va te déplacer le cerveau, il va t'arracher la tête. C'est un bifleur professionnel façon guillotine chinoise. Ah, avec... Non, peur. Il faut qu'elle comprenne. T'as fini? Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Salut. Donc, succès retentissant avec deux projections. Ça vous fait quoi déjà d'avoir le public comme ça, qui vous applaudit à la fin? Ouais, ben quand on fait une comédie, c'est clair, c'est le mieux. Donc voilà, quand on fait une comédie, en fait, c'est ça le point final qu'on a envie d'avoir après le montage, après le mix, après tout. Finalement, c'est vraiment là que le film, qu'on peut lâcher le film. Ça y est, il fait rire les gens, donc c'est vraiment maintenant qu'on passe à autre chose, je trouve. Et à la fois sur la comédie, juste pour revenir sur ces éléments-là, en fait, vous savez jamais
quel impact une blague va avoir dans un film, en fait. C'est-à-dire, vous l'écrivez, vous la tournez, vous la montez, et à toutes ces étapes-là, vous montrez le film, juste, qui n'est pas encore terminé, et au bout du compte, vous n'avez jamais une idée précise de où est-ce que ça va rire, est-ce que les gens vont jubiler, tout ça. Et donc là, c'est la satisfaction, c'est de voir qu'à un moment donné où on a cru que ça allait rire, ça arrive vraiment. Et donc voilà. C'est ça qui est bien, c'est de... que le rire ce soit pas juste une blague entre potes, mais que ça fasse rire des gens qui connaissent pas forcément votre univers. Et... Ah ouais, ben ça pour moi c'est essentiel, ça fait partie de pourquoi je fais du cinéma. Moi on raconte des histoires aux gens, ouais. Et on est là pour les faire rire eux. Enfin voilà, moi je... c'est vrai que même si ma bite est un peu au centre de l'histoire, c'est pas ça que je suis en train de filmer quoi. L'idée c'est d'arriver à communiquer aux gens et qu'ils se retrouvent dans ces personnages là. Moi sinon ça m'intéresse pas le cinoche. C'est vrai que c'est une aventure communautaire. Après on balance le film en pâture, il appartient au spectateur, donc c'est sûr que. C'est sûr que c'est pas du tout un délire entre potes, c'est vraiment complètement mon anti, c'est de l'anti-cinéma pour moi, pour le coup, ce film, ce genre de film. Ce qui est intéressant là, sur les deux projets, puisqu'on a rempli, il y a un public habituel du court-métrage qui est assez habitué à suivre juste des structures de production, des auteurs dont c'est le premier, le deuxième film. Et concrètement ici, on a l'impression qu'on a eu, par le léger buzz qu'il y a pu avoir sur le film, sur internet, par son titre, provocateur et autre chose, une curiosité sur le film qui me semble à attirer aujourd'hui un public plus large que les spectateurs classiques de court-métrage. Donc ouais. C'est là où aussi on est content, parce que du coup, en fait, pour revenir sur ce que dit Jean-Baptiste, le film il appartient aux gens et on le fait pour eux. Et pour moi, enfin personnellement, et je pense pour nous, c'est une des très grandes satisfactions qu'est la nôtre aujourd'hui. Quoi. Que le film soit le plus vu possible, qu'on en parle et que les gens aient envie de le voir. C'est clair, c'est trop cool. Et du coup, justement, donc, pourquoi le sujet de la bifle, est-ce que ça... En ce moment, sur le net, c'est le grand buzz. Mais... Oui, bah, le problème, c'est que sur le net, on parle des bizutages et puis on est plutôt dans des soirées d'intégration. Effectivement, on est plus dans un acte d'humiliation sexuelle. Effectivement, dans ce film-là, c'est pas du tout cette bifle-là qui est traitée. Ouais. C'est plutôt la bifle pour s'affranchir de ses complexes et la bifle pour se regarder en face. Et c'est la bifle qui est plutôt, finalement, dans le film, un geste noble, qui est un geste qui permet au héros de passer à autre chose dans sa vie. On n'est pas du tout dans le rapport à la bifle, peut-être un peu étriqué, un peu minable. Non, on a un grand pénis qui est là pour frapper contre un petit pénis qui est là pour se défendre. Et finalement, c'est un combat assez jubilatoire. Il fallait ce titre parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose. Le personnage a besoin d'un vrai coup, d'un vrai moment fort où vraiment il agit pour pouvoir passer et surmonter ses complexes. Donc cette bifle, c'est vraiment la... C'est la guérison, c'est la thérapie du personnage. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le film et qui se sont dit ça va être une potacherie autour juste de la bifle, comme un espèce d'épiphénomène chez de rituel, on va dire, étudiant. Et je pense qu'une des grosses réussites du film, c'est que le film mène le spectateur là où il ne pensait pas être mené quand il vient voir le film, en fait. C'est-à-dire que moi, un des meilleurs compliments personnellement qu'on fait sur le film, c'est de dire que la bifle est vraiment une comédie romantique au sens le plus classique du terme, c'est-à-dire derrière toutes les excroissances, la folie, les références, c'est l'histoire d'un mec, et juste là il y a un subjectif sur l'auteur, en l'occurrence Jean-Baptiste, qui avait envie de porter cette histoire, qui aime une femme, et au bout du coup, il n'y arrive pas, et au bout du compte, il va réussir à lui dire juste des choses aussi élémentaires que régler son complexe et lui exprimer ses sentiments. Et nous, on tenait absolument à ça, à éviter l'écueil de dire on va faire une grosse potacherie qui va décevoir tout le monde. Et je pense que là, je pense qu'on y a plutôt réussi dans le film. Ouais. C'est clair que le film, donc, il y a beaucoup d'occurrences du mot bite. Donc, autant on entend le mot, on en voit beaucoup, mais finalement, le film n'est jamais vulgaire, quoi. Ouais, ben moi, moi, c'était un point vraiment essentiel. C'est-à-dire, on parle beaucoup de sexe, mais on n'en voit jamais la couleur. C'était hyper important de désexualiser tout le film. Il fallait qu'on reste que ce soit dans la confection de ce pénis gigantesque, que ce soit dans le traitement du mot bite, même, il fallait que tout ça soit inclus dans un flow quotidien et que finalement on stigmatise surtout pas ce champ lexical-là qui appartient plus au porno, qui appartient plus à une sexualité un peu genre élémentaire. Donc oui, on parle beaucoup de cul, on n'en voit jamais la couleur et c'est ça qu'il faut aussi, la tendresse des hommes en général et là des personnages en l'occurrence. Moi j'avais mis un point d'honneur absolument à faire un film cru, un film franc, mais surtout pas tomber dans l'écueil de la vulgarité. Et sur la question du dialogue, pour revenir sur ce que tu disais, nous on s'est posé la question de dire, pour nous la bite elle est tellement grosse qu'elle en devient plus sexuelle en fait. Et pour nous c'était important ça, qu'il y ait une telle outrance qu'on évite, et il fallait qu'elle soit encore plus grande. On a beaucoup réfléchi là-dessus. On a eu une première bite qui n'était pas assez grande et qui était vraiment vulgaire, qui était gênante. Parce qu'on se disait c'est gênant. Et en continuant à pousser comme ça, il y a un moment où on arrive au-delà de la bienséance, et c'est-à-dire que finalement on sort de la réalité, il y a quelque chose qui devient plus symbolique, qui devient plus amusant en fait. Ouais, vous passez dans le burlesque, et quand vous passez dans le burlesque de manière suffisamment franche
pour que tous les spectateurs qui voient le film finissent par se dire « Ce qu'on me montre là, il faut que je m'en amuse », c'est hyper important. Et pour nous, il y a eu un vrai débat sur le temps du film, passé par la taille du sexe, le nombre de fois où on disait le beat. Et là, encore une fois, je pense que la réussite du film, c'est quand vous vous dites qu'il n'y a pas de vulgarité dans le film. Voilà. C'est clair. Et donc, du coup, donc ça rejoint une de mes questions. Le personnage de T-Kong n'a pas du tout été casté à la base par rapport à la taille de son sexe. Hein. Vous n'avez pas fait des castings de beats sous leur taille. Bah non, parce que finalement, ce qui est... ouais, non, mais finalement, ce qui est important, c'est pas la taille de sa bite, c'est la certitude et la conviction avec laquelle il allait la porter. Moi, je cherchais un acteur qui avait assez d'humour et qui avait assez de second degré pour dire je vais jouer ce personnage à fond. Parce que ce mec a une grosse tub et c'est ça qui est bien quoi. Et c'est ça qui est important sur le casting. Enfin bon, effectivement, on a regardé le sexe d'ailleurs de personne parce que le fond du film c'est d'abord des personnages qui incarnent. Voilà, il est là, c'est un mec avec une grosse bite et juste il fallait surtout un acteur qui y croit quoi et qui joue le jeu. Et ça c'était pas évident. C'était pas évident. C'est un second personnage pour lui. Enfin, vu de la taille du truc, c'est ah ouais, mais il le portait, il mangeait avec, il se promenait avec. Non, il s'est vraiment immergé dans le rôle et c'était pas compliqué la prothèse. Si, moi je dirais que c'est une vraie prouesse physique, c'est-à-dire que Jean-Baptiste il est assez proche des arts martiaux parce qu'il le pratique. Juste dès le début au casting, on s'est dit il faut quelqu'un qui ait cette part d'humour juste pour porter une prothèse et en jouer, et deuxièmement, être capable de la prestation physique qu'on voit dans le film qui est à la fois magnifiée par la mise en scène, mais. Juste les grands écarts, les rotations, autre chose, et des choses qu'on n'invente pas, donc... Ouais, ça faisait beaucoup pour un seul personnage. Un vrai gymnaste qui fait des arts martiaux et qui a assez d'humour et assez de certitude pour incarner ce personnage, c'était pas évident. C'est un peu magique de l'avoir trouvé, quoi. J'en ai vu que trois, hein. Et sur les trois, il y en avait un qui était Teva Dadek et qui a vraiment... je pense que vraiment, il porte beaucoup la fin du film, il porte beaucoup, en tout cas, le ton du film, c'est clair. Ouais. Parce que sans avoir une ligne de dialogue... C'est un adversaire à la hauteur qui existe dans l'imaginaire du personnage au début, puisqu'on en parle mais on le voit jamais. Il a pas une ligne de dialogue en fait, et il existe en fait par ça, par une prestation d'acteur absolument physique, avec la prothèse en plus. Mais c'est vrai que la bite est presque un personnage à part entière. Et du coup, tes influences à toi, donc c'est clairement les films d'arts martiaux. Ouais, alors. Et lesquels du coup, parce que c'est alors la pas Chine, tant que ça, ou... pas ah ouais. tant que... Moi j'en ai fait beaucoup et j'aime ça, mais je suis pas un boulimique des films d'arts martiaux, de tout, de la Show Brothers et tout. Moi, clairement, c'est vrai que je suis obligé de citer Tarantino, que j'aime beaucoup, qui lui aussi est un fan et qui lui aussi a beaucoup, s'est beaucoup amusé à shipper des références à droite à gauche. C'est évident que j'aime ce foisonnement de références. Puis moi, c'est des thèmes qui me plaisent, le film de genre, c'est un vocabulaire qui me plaît, c'est comme ça que je m'exprime le mieux, à mon avis. Donc c'est vrai que j'aime les arts martiaux, j'aime la beauté du geste, et il fallait qu'il y ait ça dans ce film. Après, tu as aussi la comédie américaine contemporaine. Je sais pas, la première partie du film est quand même... plus porté sur les dialogues et sur cette envie de créer un quotidien entre des personnages qui discutent un peu de loose sexuelle entre eux, voilà, et qui est plus hérité des comédies de Jude Apatow, entre autres, qui ont une grosse résonance, je pense, sur ma génération, sur notre génération. Donc voilà, je pense qu'on est à chemin là-dessus, qui sont finalement des références que moi j'accumule depuis des années, puis là ça sort parce que finalement c'est mon vocabulaire. Après, il y a des choses dont il y a des références directes, je sais de quel film elles sont sorties, il y en a d'autres, bon ben j'ai dû les choper quelque part, mais maintenant elles m'appartiennent, c'est comme ça que ça marche. Puis... c'est l'univers d'adolescent, comme tu disais. Oui, ben il y a beaucoup ça, t'as le manga aussi, après, t'as toute l'influence de l'anime, Naruto à fond la caisse, évidemment, One Piece, tout ça, même dans le découpage, il y a un truc très, très dynamique qui me plaît beaucoup dans ces références-là, et que je pense que je vais continuer à cultiver dans les prochains films, c'est sûr. D'accord, ben justement, parlant de prochains films, des prochains projets, t'as des idées, des sujets, des choses concrètes peut-être. Voilà, bah, y aura un long métrage qui sera la suite de ce film-là. D'accord. Donc voilà, donc la bifle en long métrage qui sera la suite directe de ce qu'on vient de voir là. D'accord. Et qui continuera d'explorer le mal contemporain dans ses complexes et dans sa tendresse. Et donc je développe ça avec Amaury et c'est clair que c'est le projet très brûlant du moment qui nous enthousiasme beaucoup parce que on a plein de nouvelles idées qui viennent de se greffer là et avec toujours ce fond là quoi, commun qui sera vraiment l'identité de la bif. Je dirais qu'il y a un désir et une contrainte, un désir de continuité dans les thèmes de Jean-Baptiste qui se dit j'en ai suffisamment pour avoir envie d'en faire plus d'une heure de fiction à partir de cette matrice là. Ouais. Et à la fois on est évidemment sur des enjeux qui sont propres à l'écriture de films de long métrage, donc du coup avec essayer de complexifier, repenser à partir du même univers en fait, voilà. Parce qu'en fait quand on a écrit la bifle, on a mis beaucoup de temps à l'écrire et au bout du compte on s'est rendu compte que c'était pas un scénario qu'on avait écrit, mais c'était en fait un univers qu'on avait créé, des personnages aussi. D'accord. Ah bon.
Et du coup, pour le long métrage, est-ce qu'il y aura de la 3D, parce que ça se prête bien, ou coup de la bifle, ouais, mais alors les spectateurs d'un coup, comme ça, bam. Non, mais alors on y a pensé, ça a été une suggestion d'Amaury, c'est évident qu'on y a pensé très vite. Après, moi, j'aime beaucoup l'énergie sur un plateau, j'aime quand ça y va, quand on avance. Et la 3D, voilà, on a fait 38 plans le premier jour, en 3D on en aurait fait 3. Ouais. Bon, moi j'ai aucun intérêt à... Le spectaculaire, je pense qu'on peut encore en faire des trucs super en 2D. Là, concrètement, en tout cas, ce sera pas sur celui-ci. Bon, enfin, peut-être que je m'avance, ça se trouve. Non. Who knows. Mais clairement, pour moi, c'est un truc trop lourd aujourd'hui, là où moi je veux plutôt rester dans ce climat très dynamique, très percutant, et où sur le plateau, on est dans la même énergie que le film. Ça c'est important parce que si vous posez la question de la technologie, elle a toujours des conséquences sur juste les modalités de tournage en termes de temps. La 3D c'est concrètement ça. Et Jean-Baptiste, je crois que le terrain d'expression qu'elle tient au tournage, c'est aller vite et être dans une énergie. Et que ça, on se disait qu'à la fois pour un premier film qu'elle a vif, produit, pensé, longuement écrit, c'était important que nous on soit encore délesté juste d'un défi technologique supplémentaire. La séquence de Kung Fu par exemple. Durant 3 jours, on avait 2 caméras qui a multiplié les plans. Il a fallu qu'on pense à un dispositif particulier qui est assez inhabituel pour un court métrage. Et c'était la bonne configuration. Après, sur votre question, la 3D, pourquoi, dans l'absolu, que les gens remontent en haut et racontent ah, c'était trop bien quand la bite elle nous est passée devant. Ça m'intéresse moins qu'un mec qui remonte et dit putain, l'acteur il est trop mignon à la fin. Voilà, clairement. Ouais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'un monde spectaculaire, voilà, je l'aime bien à sa place. Je suis pas sûr de jubiler en me disant tiens, je vais frotter le nez de toutes les nanas du premier rang avec une grosse bite. C'est sûr, ça m'enthousiasme moins. Okay. Alors du coup, au niveau de la production, comment ça se passe pour toi, choisir les projets? Vous êtes potes en fait? On s'est rencontrés à la FEMIS, moi j'ai fait le département production, Jean-Baptiste le département réalisation. Moi j'ai rejoint Jean-Christophe Raymond chez Kazakh Productions, on est 2 producteurs associés désormais. La plupart du temps en fait on développe des projets d'auteurs de notre génération pour ces raisons-là en fait, voilà. D'accord. C'est-à-dire grandir ensemble. Jean-Baptiste, j'avais très envie de travailler avec lui, j'avais déjà travaillé avec lui sur un film à la FEMIS qui constitue un film d'école. Et pour moi c'était important que, puisque le connaissant bien fort de cette première expérience de film, on se disait il faut qu'on aille juste sur des univers qui sont les tiens, c'est-à-dire le film de genre, tout ce que contient le film là. Et donc sur la production, il existe des aides automatiques du CNC, et j'ai dit à Jean-Baptiste on va faire ce film avec l'argent du CNC qu'on peut obtenir quand on produit beaucoup de courts-métrages et qui tournent pas mal en festival. Voilà. Ça c'était le premier financement. Après, les diffuseurs, pour les raisons que vous imaginez, ont plutôt été assez frileux sur le film. Les régions, pareil. Et en fait, on a fini par avoir une région, on a fait ça avec 2 financements principaux. Et Canal+, juste sur le visionnage du film, a décidé de l'acheter pour toutes les évidences qui révèlent le talent de Jean-Baptiste qu'on ne peut pas voir à la lecture d'un scénario et sur lequel il y a un risque important. Donc difficile à financer et à la fois très excitant à financer pour ces raisons-là, parce que vous êtes dans l'adversité, on trouve des solutions, on défend le film, on a envie de le défendre encore plus, donc on le réécrit, donc j'ai l'impression que Jean-Baptiste il va au plus proche du film qu'il a envie de faire, moi à la production j'essaye d'aller au plus proche du film qu'on peut réaliser, et quand on arrive à ce point de convergence-là, bah, c'est magnifique sur un film comme ça, c'est compliqué, c'est difficile, mais cette douleur-là en fait fait la beauté du film, à la fois à la production et à la réalisation, avec ce qu'on sait, c'est-à-dire un public qui rit à la fin, donc on juste, voilà, on avait raison. Moi ce que je dirais. Donc du coup, donc là la bif actuellement c'est un court-métrage, donc vous dites que vous allez faire la suite en long-métrage, donc on peut espérer d'avoir le court-métrage dans la future édition DVD peut-être, ou si jamais ça se fait, c'est sûr. Donc pas d'édition DVD, juste pour le court-métrage tout seul, quoi. Non, ça serait avec le nom. C'est une bonne question. On s'est vraiment posé la question effectivement de la diffusion de ce court-métrage, mais comme très rapidement on a senti qu'on avait encore des choses à raconter là-dessus, en tout cas moi j'ai vraiment trouvé la matière d'une vraie suite qui garderait du sens. Clairement, je pense que oui, on est un peu à cheval, quoi. On est un peu à cheval entre une diffusion un peu plus généreuse de ce court-métrage-là et se le réserver un peu peut-être pour plus tard, on ne sait pas trop. Après, si vous posez la question de l'édition DVD, je pense que vous la posez pour savoir porter le film aux gens qui l'ont pas vu éventuellement. Ouais, voilà. Il existe, il sera diffusé sur Canal+, au mois d'octobre, durant 10-12 fois, donc il y a une visibilité. Sur Internet aussi, durant une semaine, dans le cadre du blog de Canal+, qui reprend sa programmation de court-métrage sur Microciné.
Et sur l'édition DVD, généralement, les éditeurs DVD ne sont pas excessivement sensibles à l'édition de DVD de court-métrage seul, ça se fait assez peu. Après, si demain un éditeur DVD a envie de défendre le film, a envie de le travailler, on sera très heureux en fait, sur l'édition DVD. Pour l'instant, il n'y a pas de certitude sur. On marche à l'enthousiasme. On marche à l'enthousiasme. Donc là on va passer, j'ai encore deux questions, c'est bon. Viens, viens, on le fait en marchant, tu sais, c'est moderne. Je pense que c'est assez vite pour eux. Ouais, à mon avis, c'est chaud. Voilà, avant-dernière question, la dernière c'est très rapide, mais l'avant-dernière. Au niveau de donc, Kazakh Productions, actuellement, a produit des courts-métrages principalement. Donc ça, la volonté c'est de passer au long On est déjà passé au long-métrage, avec deux auteurs qu'on a produits en court-métrage. Un film sorti en 2011 s'appelle Jimmy Rivière, qui est sorti le 9 mars, qui était un auteur avec qui on avait déjà réalisé des courts-métrages. Là, on est en financement de 5 projets de longs-métrages qui sont en écriture et en financement pour certains d'entre eux. Et donc, on capitalise aussi sur les succès qu'ont pu avoir nos courts-métrages et le talent de nos auteurs en festival. Et évidemment, nous, le court-métrage n'a jamais été une fin en soi. C'est-à-dire, l'idée, c'est de grandir avec des auteurs et de passer avec eux au long, avec succès et puis avec l'espoir aussi qu'on capitalise sur leur talent et on passe au long ensemble. Voilà. Donc nous on est dans une logique d'accompagner les auteurs, grandir avec eux et faire des longs métrages à moyen terme. Enfin à court et moyen terme. D'accord. Donc je pense qu'on a deux groupes, enfin juste pour finir, on aura probablement deux longs métrages en production, juste en pré-production en 2013. Voilà. Ok, c'est cool. Donc dernière question du coup, est-ce que vous acceptez pour nos lecteurs de bifler la caméra ou pas du coup? Fais gaffe, je peux le faire. Hein. Mais justement, je pense que. Mais je suis capable, mais finalement, en fait, il n'y aurait pas la tendresse du film. Il y aurait pas la tendresse du film. Ça, ce serait vulgaire, tu vois. Ça, ce serait vulgaire. Ça, ce serait vulgaire. Ouais. Là, je suis obligé de t'arrêter. Là. Non. Ok. Désolé. Hein. C'était une bonne tentative, mais je pense que. Ouais, non, ok. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup.